Seigneur de gloire, tu es tout puissant, tu es dans ma bonne valeur. Nathan, qui t'a au salapolo, pour tes habitudes, Dieu, tu sais, comme le jour, au jour d'autrefois, il est écrit, tu descendais sur la montagne des Sinaï, et tu leur parles, Dieu, du ciel. Et il est aussi écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oui, Seigneur, il y a des fois qui t'a apporté à travers un ciment, pour le Bélara en particulier, pour la Bobadissé la Maï. Quelque chose de plus aux Ezangi Kati na Bundi Mananga soit Kati na marche ya vie chrétienne dans la Seigneur mon Dieu. Ozoalokou Mupete Okosala, na Kobona Jésus-Christo, Olobi, Amen. Amen. Totelemisi, Mosako de Longona, Mobongo Likota, Petozo Betela Lilobanza, Maboko Makas. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Que Jésus-Christ te fasse du bien. Nous sommes convaincus que nous avons reçu ces moments par la grâce de Jésus-Christ. C'est par son amour que nous avons reçu ces temps. C'est pourquoi nous lui rendons toujours l'honneur, la gloire et la louange. Nous acclamons c'est un grand vainqueur. De génération en génération, nul n'est comparable à lui. Toute chose se rabaisse devant Jésus-Christ. Même les esprits impurs, ils ont reconnaître qu'il y a un assassin. Même les démons reconnaissent que c'est lui qui est saint. Dans le fou de Gadara, les démons dans le cimetière lorsque Jésus était de passage, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore venue. Le saint de Dieu. Moussantou Nazambe. Donc ça c'est le démon. Reconnaître qu'il est saint. Ça, c'est le témoignage des démons eux-mêmes qui reconnaissent que Jésus-Christ est saint. Oui. Nyonso et Kouba Melakae. Tout fléchit devant lui. Azar tellement grand et puissant. Il est tellement grand et puissant, bien-aimé. Il faut qu'on dise que Bongo que. La solution, c'est Jésus-Christ. Il faut que vous croyez comme ça que la solution, c'est Jésus-Christ. Si kaoyo batu bakokite, makoki na bisu za Jésus. Là où les gens ne sont pas parvenus, notre force ou notre capacité, c'est Jésus-Christ. Si tu vois un problème s'élever, c'est que Jésus a besoin que tu puisses le chercher. Il faut fuir vers Jésus-Christ et tu verras sa victoire. Il ne faut pas trop les raconter aux gens parce qu'ils ne te donneront pas de solution. Et d'autres, c'est pour se moquer de toi. Si vous vous séparez directement, ils commencent à se moquer de toi. Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est un ami fidèle. Dans le malheur, c'est lui qui sera avec toi. Et dans le bonheur, il ne t'abandonnera pas non plus, il te protégera. C'est pourquoi
C'est pourquoi il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il a dit dans un problème. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans un texte, Apocalypse 6, versets 7 et 8. Notre texte d'Apocalypse 6, le verset 7 à 8. Nous lirons, lirons au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Seba Konipora na koluna Jésus-Christ. Le pasteur Seba va nous traduire au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant qui disait bien. J'ai regardé et voici par un cheval d'une couleur pâle. Celui qui est monté se nommait la mort. Et les séjours des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fit donner sur les cartes de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse les dieux. Je suis persuadé que c'est le Seigneur qui est notre Seigneur à nous tous. Nous avons confiance en lui. Parce qu'il y en a quatre mitungis ici. Parce que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Yahweh a tendu la kibango liloba. Et le Seigneur leur envoya sa parole. Telilobe bikisaki. Et la parole les guérit. Donc liloba et bikisa. Et la parole guérit, sauve, bien aimé. Kotia souci libosote. N'aimez pas d'abord tes soucis en avant. Jésus a lobi okoki kobakisa ta in kude ya dire na vina yote. Jésus pose la question, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? In kude nigolo va tout simplement battement manquant. Donc une coudée dans ce sens là veut dire un battement de cœur. Une coudée aussi na poizane ti moitié à un mètre. Naturellement, comme ça, c'est la moitié d'un mètre de longueur. Donc, la moitié d'un mètre de longueur. Et par mobilisation et motema et ça n'a pas simplement comme battement mon corps et motema. Et par rapport au mouvement du cœur, c'est un seul battement de cœur. Donc, même nombre de battements aux embâts et bien. Même le nombre de battements de ton cœur, le Seigneur les connaît. Combien de fois ton cœur battra jusqu'à sa cessation? C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Il a dit personne par ses inquiétudes. Il met des soucis. L'an 2022, si le Seigneur avait arrêté qu'il mourra en 2022, par exemple, le 28 janvier, à 3h du matin, et le Seigneur dit que tu ne pourras pas non plus le changer en 3h02. Non, mais pourquoi vous inquiétez? C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi vous inquiétez? Il est en train de te montrer que ta vie est entre ses mains. S'il dit que tu sois encore là, tu y seras. Tu peux être dans l'avion, bien-aimé, ou bien dans ma soua, ou bien dans un bateau. Tu ne connais pas vraiment la nage, mais dans la haute mer. Mbasu et Baruki,
et les navires. Mais, mais si le Seigneur dit que tu seras sauvé, n'aie même pas trop de raisonnements que je ne connais même pas nager dans une piscine. C'est lui qui a fait qu'il y ait les eaux. C'est lui qui va donner des ordres à la mer qui ne puisse pas te noyer. Crois seulement. Yo dima kaka. Ce qui est en bas de lui, c'est Osana na mabele. Si le Seigneur dit que tu es encore là sur la terre, c'est lui. Vraiment, Osana komi tungi sa terre. Vraiment, ne sois pas inquiet. Jésus-Christ est la réponse, la solution. Si c'était pour plaisanter, j'allais rester dans tout ce qui est dans la vie. Mais si tu viens dans l'église, sache que tu n'es pas venu vers un homme. Tu es venu vers Dieu qui a créé les cieux et la terre. Zambo a changé le temps. Celui qui donne des ordres aux ténèbres de s'en aller pour que la lumière paraisse. Et tout cela lui obéit. Et cela se fait sans bruit. Et vous voyez vraiment les ténèbres se dissiper et le soleil se lever. Et tout cela obéit à la parole de Dieu. C'est Dieu. Et sans zambé. Donc il faut ébaguer. Il faut savoir. Dieu a sa tellement grand. Zambé a sa ligne mon aîné coléka. Mesurer grandeur n'a été. Tu ne peux pas mesurer sa grandeur. Il faut ton monde la cahier le lingui yaza. Il faut que nous puissions le voir tel qu'il est. Jéricho et Zalakina. Na mirai moko balobaki zalaki barricadé. Jéricho avait une miraille barricadée. Pas d'entrée, pas de sortie. Kokoki koko tate attaque kokobima. Nzamba bongisaki que seyelaki Josué zwamo. Mais le Seigneur avait préparé que Josué puisse avoir cette ville. Dieu de ciel a quitté sur la terre. Le Dieu de ciel est descendu sur la terre. Aïe comme chef de l'armée de l'Éternel. Il est venu comme le chef de l'armée de l'Éternel. Pour diriger les troupes. Pour diriger les troupes d'Israël. Non, Dieu grand. Zamba Zamonène. Soka lingi wa lingi. S'il t'aime, il t'aime bien aimé. Wana nibota wana baouté qui wapi. D'où provenait ce peuple? Bah si baouté qui plein de Moab. Il provenait de la plaine de Moab. Mais le roi avait la promesse de Dieu. Mais comme ils avaient la promesse de Dieu, le Seigneur ne pouvait pas l'effacer. Même si c'était livré dans l'idolâtrie avec Balaam dans l'affaire de Péor, la promesse de Dieu reste toujours la promesse de Dieu. Et la kaya nzambe et tika la kaka et la kaya nzambe. Avant qu'on efface peuple, ni on sautait que Israël a bouga. Le Seigneur ne pouvait pas exterminer tout le peuple d'Israël. Dans la Deutéronome 4, bien. Lis bien Deutéronome 4. Il savait toujours qu'il y a un 4 de Bango Bamsou va s'attacher au Seigneur. Il avait fait toujours qu'au milieu d'un reste pour s'attacher à Dieu. À protéger toujours un reste. Le Seigneur protège toujours un reste. Quelle que soit la terre. Batubazana Molili. Quels que soient les gens dans le ténèbre de la terre, mais il y a toujours un reste, ils ont gardé l'enseignement. Il y a toujours un reste qui garde l'enseignement. Les peuples saints, Libote Santu, Obazana, parole véritable, qui ont la véritable parole. Si tu commences à sillonner, vous allez voir beaucoup de ténèbres dans les mauvais enseignements. Mais Dieu a ligné. Mais le Seigneur t'aime, bien-aimé. Parole de la vérité. C'est pourquoi il t'a donné la parole de la vérité. L'ennemi a ton monnaie à Tiaki. Barricade, barricade qui Jéricho. Même si l'ennemi avait barricadé la ville de Jéricho. Mais le nom de l'Éternel était parfait. Combo ya Yahweh zali malasia solo makasi. C'est ce que Cantique de Cantiques chapitre 1 zoloba. C'est ce que nous dit Cantique de Cantiques chapitre 1. Donc son nom de Jésus là qui répandit dans Katia Jéricho. Son nom était déjà répandu à l'intérieur même.
de cette ville matricale, même si cette ville était bien sécurisée, mais le parfum était déjà arrivé. Kasi malasi ya Nzambe se konta ki ne kumba. On a déjà entendu la nouvelle qui s'est passée. Parce que le parfum commence avant Moutagoma. Parce que le parfum parvient avant que l'homme n'arrive. Israël était parfumé par la présence du Seigneur. Israël était parfumé par la présence de l'Éternel. Et Dieu a manifesté son parfum par des grands signes. Et le Seigneur avait manifesté son parfum par des miracles et des prodiges. Et quoi ce qui Pharaon et son armée? Comment est-ce qu'il avait précipité Pharaon et son armée? Et quoi ce qui victoire na baroua mususu na nzela? Comment est-ce qu'il avait précipité la victoire sur d'autres rois dans leur marche? Bah, actions, toutes ces actions, c'était des parfums contre Jéricho, contre Jéricho, et ça n'a qui barricadé. Et ça n'a qui malasse sur la malasse, et contre qui en bon cas Jéricho, et ça n'a qui Rabba, Rabba, on est à l'isolo. Et Rab la prostituée l'a raconté. Elle a dit que force, c'est ça qui vit sur le temps que Yoki Makamuzamba Salina Bino. Nous avons perdu la force à l'égard de tout ce que le Seigneur a opéré avec nous. Ah, on est en train de comprendre que nous tous ici, nous avons compris. Zambé Moussous. Il n'y a point un autre Dieu sur la terre. Les seuls dieux, c'est le vôtre qui avançait vers le pays. C'est lui qui est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et cette confession était dans la ville de Jéricho. Mais Jéricho était fermé. Mais Jéricho était barricadé. Mais le nom de l'Éternel c'est Kotaki. Kasi Kombwa Yahweh si soit qui est Sikali Kumba. C'est par les œuvres de l'Éternel. Et ça là qui n'en c'est là misala tobika. L'olenge moko na kati na yo. De la même manière on toi bien sambe azana besoin tant non sa kosala makambo minene pour kombo na ye etakema. Le Seigneur a besoin de faire des prodiges et des miracles afin que son nom soit cité dans ta vie. Kobanga te, n'aie pas peur. Akosa, il le fera. Pour ça pour son nom il sera glorifié. C'est pour que son nom soit glorifié. Et ça la maladie. Que ça soit la maladie. Il va te guérir. Parce que ce sera la gloire de son nom. Et ça la situation difficile au que ce soit la situation difficile que tu as. Tu as besoin de la solution. Lorsque tu obtiens la solution, les gens l'écoutent. Ah, ce Dieu là est véritable. Dieu fait ça. Zambé a l'ingi bon. Mais le Seigneur a l'ingi pas doute. Le Seigneur n'aime pas de doute. A l'ingi pas croire vraiment. Il aime que tu croies vraiment sa parole. Il faut dire. Quel que soit le problème aux anayens. Attaque au likamboni. Il faut dire vraiment à Katia na yoke. Le Seigneur est la solution. Tu dois croire en toi que Zambé a zali et yano. On dit ma question, pense qu'il solution à croire. Que tu crois qu'il avait déjà donné la solution à la croix. Alors, bah, tout est accompli. Il n'avait rien laissé, il avait tout accompli. Il faut avoir un cœur ou un condiment. Il faut avoir ce cœur-là de croire. Que tu puisses témoigner comme le psalmiste. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est pour mon bien. Je suis dans le bien. Oui. Et ça, c'est pour célébrer la fidélité de Dieu. C'est vraiment la joie de venir célébrer la fidélité de Dieu. Sa grandeur. Mon éninaï. Oui, bah, oui, vous célébrer. Que tu saches le célébrer. Le Seigneur. Le Seigneur, bien aimé. Mon aîné naïe et Kalisamaka n'a accomplissement à ma promesse naïe. Sa grandeur ou sa renommée. L'Oyembo Yadawidi. Nazali Koku Misayo na monte mananga mobima. Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue. Par l'accomplissement de tes promesses. Nan cela ya ko
okokisaka bilaka na yo. Le nom de l'Éternel s'accroît. Donc la renommée de l'Éternel s'accroît, bien-aimé. Par l'accomplissement de ses promesses. Dans cela, kokokisaka bilaka. David a zono bake nazo monté pour na ya ko célébrer ta fidélité. David dit que je monte pour célébrer ta fidélité. Oui, mon bien-aimé. Oui, ne konata. Tu restes fidèle. Lorsque tu viens, sache que le Seigneur reste fidèle. Nyon soit loba à Sarak. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Et il ne se lasse pas de le faire. Il ne se lassera jamais de toi. Il est là pour donner la solution à tes problèmes. Il faut célébrer sa fidélité. Et Seigneur, il faut célébrer sa fidélité. On dit que solo azali solution pour l'angai. Que tu crois vraiment qu'il est la solution à tous mes problèmes. Que le Seigneur Jésus a pambolé richement. Que le Seigneur Jésus Christ te bénisse. Béni soit ma mère comme on s'en a mis. Sois béni, sois loué. Et Dieu de toute éternité, mon roi. Aux ensembles n'a pas mort. Comme on avait zali colonagnon. Même si les hommes seront fidèles. L'Éternel restera toujours fidèle. Amen. Azali ko élevé grand terre na opposa ici. Amen. Kombo na yo ezali ko na makombo yo. Le Saint des Saints Jésus-Christ. Si ici ou élevé. Aux ensembles na kombo. Aux fidèles. Yo solo baka et sale baka. Amen. Mon côté à mon côté de la monnaie na yo. Amen. On le va qui j'agirai. Aposala. Qui s'y oppose là. Osa monnaie. Amen. Osa monnaie ni. Amen. Beaucoup maman na yo Seigneur. Osa tellement grand puissant. Tellement grand. Tuninga kota tolaye. Nous aimons les témoigner. Parce qu'il faut y ait ma camouille à Sala qu'elle est la cavate. Parce qu'il faut s'arrêter dans la tombe. Il est pas yaki. Et lui aussi était venu. Mais yo ka yende ngabani. Mais écoute, comme Botier, où l'avez-vous mis? Napoléon de Kwalobi a zo lumba déjà. Et même sa propre sœur dit qu'il sent déjà. Abi oyebite ke na ibise ke ke naza. La résurrection. Ne t'avais-je pas dit que j'ai la résurrection et la vie si tu crois? Tu verras la gloire de Dieu. Il y a d'autres juifs incrédules qui étaient là. Nous allons voir. Accompagna Jésus-Christ dans le cimetière pour la témer. Ils avaient accompagné Jésus dans le cimetière seulement parce qu'ils doutaient. Ils ont vu Jésus pleurer. Bah maman va bien voir c'est comment il aimait. Et même on dit la linga sa kyolingaye. Parce que le Seigneur a dit ça. Trop la miséricorde. Parce que le Seigneur devrait manifester son trône. Pour vraiment y a Adam. C'est la salle était vraiment les signes d'Adam et Ève qui étaient morts. Yango komona tambu akufi. C'est pourquoi vous allez voir. Jésus n'était pas. Jésus n'était pas. C'est extrêmement jardin. Pour amener ça Adam. Pour faire sortir Adam de la tombe. Le mouvement de ce Jésus, c'était par rapport à Adam. Tous ces mouvements-là que faisait Jésus, c'était par rapport à Adam. Mais place à Lazare. Mais à cet endroit-là, toi, tu vois Lazare. Mais le côté Adam, il y a A-D-A-M. Maintenant, toi, prêcheur Adam, tu prends l'encyclopédie des théologiens et tu cherches A-D-A-M. A-D-A-M. Adam. Adam. Lazare, Adam. Lazare aussi, c'est Adam répété. Lazare. Il est Adam. Yamokomon. C'est pourquoi tu vas voir. Tango, colo à celui-ci. Lorsque le Seigneur l'a ressuscité, les gens commençaient à croire en Jésus-Christ à cause de Lazare qui était ressuscité. Oui, c'est textuellement. C'est textuellement de la manière dont le Seigneur a opéré ses œuvres en toi. Les gens croiront à Jésus aussi par toi. Mais tant qu'on t'a dans le verset premier.
mutute akoko bima awa lo bakengana kosa na poso ekokana na poso yo nzamba asala biso na et personne en sortant ici peut dire je peux inventer la peau comparable à la peau que le Seigneur a créée pour le corps humain. Il n'existe pas cette personne. Même ceux qui manquent, même un seul de tes cheveux, personne ne peut le faire ou l'inventer. Même les pieds de la fourmi, il n'y a personne qui pourrait le faire. Seul Dieu, c'est lui qui peut faire le pied de la fourmi. Sur toute la terre, seulement Dieu, le pied de la fourmi. Asa unique. Zoye na isika na ye. Et prends le Seigneur tel qu'il est à sa place. Que quel que soit le kamboi koya, yeba que Jésus-Christ a longtemps déjà. Quel que soit le problème qui pourrait venir, sache que Jésus-Christ l'avait déjà vaincu. Et loko munene na kati na yo tikala na poste oya tie yo. La plus grande chose dans ta vie, reste ou demeure dans ton poste. Poste na yo zala na vie à obéissance. Ton poste, c'est la vie de l'obéissance à la parole. Obéissance. L'obéissance. Et ça, là, c'est la fait que le Seigneur s'approche. Aux autres, se soumettre. Tu te soumets à ce que veut le Seigneur. Tu te soumets vraiment. Là que le Seigneur veut te voir. Et il accomplira ses promesses à lui. Dans une au nombre 32e, verset 14 à 15. Prenons d'abord nombre 32, le verset 14 à 15. L'écriture le lui voyait. Nombre 32. L'écriture dit ceci dans nombre 32. Le verset 14 à 15. Dans le verset 15, pendant qu'il y a une j'ai lié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre 32, verset 15. Car si vous vous détournez de lui, vous êtes ceux qui m'ont bâti qui est Nzambe. Voilà Moïse qui a exhorté le peuple. Là, c'est Moïse qui exhorte le peuple. Car si vous vous détournez de lui, vous êtes ceux qui m'ont bâti qui est Bokei. Il continuera de laisser Israël au désert. A kokobaka kotika toko umisaka isalile na kata lisobe. Et vous causerez la perte de tous ces peuples. Pebino boko yebako benda liwa yalibota omobimba. Verset 15e le bagaboy. Le verset 15 dit ceci en réalité. Zamba bongisi asalelo likamoko na 2021. Le Seigneur a préparé de te faire quelque chose en 2021. Amonique, on s'attache vraiment à être. Il voit vraiment que tu ne t'attaches pas à lui. Azuya m'a dit en 2022. Il prend la chose et la repousse en 2022. Azélio encore en 2022. Il t'attend encore en 2022. Amonique, on s'attache à être. Il voit que tu ne t'attaches pas encore à lui. Parfois, Azuya m'a dit en 2025. Et puis, il vient, il la repousse encore en 2025. C'est ce que le verset dit. Et c'est ce qui dit ce verset. Annuler le problème en terre. Il n'a pas annulé sa promesse ou son mais projet. Tarder. Mais il fait retarder son accomplissement. C'est ce que dit ce verset. Yangonde likomie lobi. Il continue. Akokoba kako umisaka. Sokolingi a prêché le jour. Si tu veux. Si tu veux que Olingi Nzambe akuto la mikolo na ça la plus zélé soit la parole dans la parole. Amen. Pour faire approcher des projets du Seigneur. Akuto la mikolo koko kisame la kanza. C'est comme le Seigneur avait dit aux disciples. C'est comme le Seigneur avait dit aux disciples. Priez afin que makambo oyo eya na iverte. Bosambe la pointe makambo eko matena tango ya malili. Donc, le camp est bon, il s'est mis à l'hiver. Donc, quelque chose, un projet est préparé à l'hiver. Mais tu peux les déplacer et puis tu les renvoies à l'été. Par la prière. Dans cela, le Saint. Parce que lui-même, le Seigneur l'a dit. La prière change à Kamakamp. La prière change les choses. Attache-toi à la prière pour négliger la prière terre. Kangamana lusambo. Tant
lorsque tu te donnes dans la prière, dans la vie et la pureté, parfois tu vois comme s'il n'y a rien. Non, il y a quelque chose qui est au salut. Et ça, comment que salut. Tu ne perds rien du tout. Continue toujours. Koba kaka mulingami. Le Seigneur a déclenché l'opération. Ne recule pas. Attache-toi toujours à la prière. Le Seigneur accomplira ses merveilles. Et le Seigneur va accomplir ses promesses de merveilles. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes dans le quatrième saut. Par la grâce de Dieu. Nangolui ensemble. Tozotali samena na tango yo kolobela mingi sur la grande tribulation. En ces temps, nous parlons plus de la grande tribulation. Yango na kati ya kotambola na biso. C'est pourquoi dans notre marche, Tozotali seki d'abord que Apocalypse 12. On avait d'abord montré qu'Apocalypse 12. Ezananga ka basso. C'est un autre langage de sceau. Dans Apocalypse 12, et dans Apocalypse 12, bien-aimé, place toujours comme mis sa quatrième sceau. Là où nous venons faire ressortir le quatrième sceau, tantôt on a l'ennemi. Lorsque nous voyons l'ennemi ou l'adversaire, azoko kende pona à combattre, va pour combattre. Reste de la postérité de la femme. Oyo etikalaka na mwana oyo netwamaki kumana mwasi. Et tango azali ko combattre aussi ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et lorsqu'il combat aussi ceux qui gardent le commandement de Dieu. Parce que mon texte tozana ngona katia quatrième sœur Apocalypse. Versets 7 et 8. Parce que vous voyez les textes que nous avons au quatrième sceau, au verset 6, 7 à 8. Dans 7 à 8. 7 à 8. Dans mon acquis, les pouvoirs leur fit donner. Ma coquille ton pifo et pesa melaki bango. Donc, leur fit donner. Donc, et pesa meli bango. C'est la peine et pesa meli. La mort, donc c'est l'avenir, les séjours de mort, et oui, l'automne qui l'a bawa, et puis la mort, topé liwa, des totalisa qui bouillait. Alors, on avait montré ceci, puissante nation, et kolo ya mouya et kamba kamabili, totalisa qui kaye. Dans Ésaïe 14, verset 29. On avait montré dans Ésaïe 14, le verset 29. Isaac comparable à un serpent. Donc on compare la puissante nation au serpent de la terre. Donc Ebimaka, l'incarnation du diable lui-même. Donc cette nation qui est le serpent est l'incarnation du diable et Satan lui-même. Donc c'est aussi Jérémie 8. On avait donné aussi l'écriture de Jérémie 8. Le verset 17. Le verset 17. On a baso comparé baso ensemble baso loba. Là-bas, le Seigneur est en train de dire que azo tinde la Jérusalem serpent basilique. Le Seigneur avait dit qu'il envoie contre Jérusalem des serpents, des basiliques qui les mordront. Déjà tout le monde qui dans verset 29 il y a Ésaïe 14. Déjà on avait vu au verset 29 d'Ésaïe 14 que basilique azo remplacé serpent oyazalaki Assyrie. Que le serpent basilique remplace un autre serpent qui était avant lui et qui était l'Assyrie. Or, nakota na lolenge ba nation puissante et la nani. Or, en regardant comment est-ce que les puissantes nations se sont succédées. Après Assyrie, c'est Babylone qui a remplacé. Après la Syrie, c'est Babylone qui avait remplacé. Donc, dans Katia Kotanga, verset 29, il y a Ésaïe 14. Dans la lecture d'Ésaïe 14, le verset 29. Pour comprendre que Basilic, les serpents basiliques, wana ezande Babylone. Nous avions compris que le serpent basilique, c'est l'empire de Babylone. Dans un témoignage. On avait pris un témoignage. Dans Jérémie 46. Dans Jérémie 46. Le verset 22. Le verset 22.
Alors tu avances qui? Alors on avait avancé. On avait pris encore un autre témoignage pour confirmer. Que l'Égypte, qui était la première puissante nation de la terre, Azalaki aussi monstre. Il était aussi un monstre, un lima. On avait vu cela dans Psaume 74. Et Bazo présenté aussi comme grand crocodile. On présente aussi l'Égypte comme le grand crocodile. On avait lu cela ensemble avec vous. Psaume 74. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 14. Tout bien même dans 13. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres. Sur les eaux. Ça, les monstres, c'est Pharaon et son armée. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu voulais comprendre aussi crocodile qui écrasé. On voulait aussi comprendre tes crocodiles écrasés. Tout en qui Ézéchiel 29. On avait lu Ézéchiel 29. Tout à l'heure encore. La dixième année, à partir du verset premier, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La dixième année, le douzième jour du dixième mois. Voula yazomi be sanza yazomi na mi balé. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte. Prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit mon fleuve à moi, c'est moi qui l'ai fait. Alors effet, comprendre verset 14. Et cela nous a facilité à comprendre le verset 14. Il y a Psaume 74. Le Psaume 74. Tu as écrasé la tête du crocodile. Yo ni ataki motu yangando. C'était Pharaon. C'était Pharaon. Et tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Donc il y a un signe de domination. C'était le signe de la domination. Donc va présenter aussi l'Égypte comme monstre. On présente aussi l'Égypte comme un monstre. Et le lengi moko aussi, ma nation nyonso bazala qui élevé, c'était des monstres et des serpents. De la même manière, les nations élevées de la terre étaient considérées comme des monstres et des serpents dans la prophétie. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie, bien-aimé. Diable, c'est la mort. Le diable, c'est la mort. Alors la puissante nation azalaki ko dominer. Et la puissante nation qui dominait la terre. Azalaki na alliance ben na ba pays mususu. Était aussi en alliance avec d'autres nations ou d'autres peuples de la terre. Ba pays nyonso wana comparable aussi na ba sépulcre. Et tous ces pays ou toutes ces nations sont comparables au tombeau, au sépulcre. C'est pourquoi nous avions montré que la maison d'Israël était la terre d'Abraham, la terre d'Abraham, pays des vivants. Le Seigneur l'appelle Mboka Yabatuna Bomoui. On avait donné Ézéchiel 32, verset 24. Le verset 24. Même au verset 25, verset 26, c'est dans le bien-être. Même si vous prenez le verset 25, 26, ces versets-là, on parle. Pourquoi le Seigneur a maintenant appelé à Pesach Abraham pays des vivants? Pourquoi le Seigneur avait appelé cette terre donnée à Abraham comme le pays des vivants? Azo répétant le jardin d'Eden.
Parce que le Seigneur répétait ces pays-là comme le jardin d'Éden au commencement. Comme témoignage. Et le colali tatouli. Vous prenez Joël 2, verset 3. Vous prenez Joël 2, le verset 3. C'est pourquoi il avait fait que si Israël venait à pécher, à reprendre, le Seigneur le répondrait. Les peuples n'écoutent pas toujours. À livrer naba nation. Le Seigneur les livre entre les mains des nations. Là, à louer pays des vivants. Là, Israël quitte le pays des vivants. À guérir naba sépulcre. Pour aller dans des sépulcres de tombeaux. C'est pourquoi nous avions lu en guise du témoignage Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37. Ici on avait vu le Seigneur montrer Ézéchiel Mikuwa et Kauka na Lubwaku. Mais tous ces ossements. Ce qu'on a dit dans verset 11 Ézéchiel 37. Regardant le verset 11 d'Ézéchiel 37. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-le. Sakola appelle Bela Bango. Voilà verset 12e, il y a Ézéchiel 37. Ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Voilà. Donc, Israël s'est retrouvé parmi les nations de la terre. Cela veut dire que le peuple s'est retrouvé dans des tombeaux, des sépulcres. Dans le bel séjour de mort. Dans un autre langage, les séjours de mort. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Dans un autre langage, je vous ramènerai dans le pays des vivants. Si tu remarques, tous les territoires qui entouraient le pays d'Israël, cette prophétie d'Ézéchiel l'appelle les sépulcres des tombeaux. Alors, Israël était à ton cité. Et lorsque Israël désobéit, il se retrouve là-bas dans des sépulcres. Donc cela veut dire Nathan Abamo. Cela veut dire en leur temps bien. Séjour de mort, les Israélites Congo. Les séjours de par rapport à Israël. Tout un pays comme le Congo. Séjour de mort. Séjour de mort. Ouganda. Ouganda. On a expliqué qui est Israël. Pour bien t'expliquer. France. La France. Nathan. En ces temps. Nous prenons seulement l'exemple. En dehors de la frontière, il y a Israël. En dehors des frontières du pays d'Israël, le territoire lyonnais, tous les territoires là qui résident. La prophétie. Dans la prophétie, c'est pire. Et où est l'eau, Bankunda? Mon Kontikuna. Là-bas, le roi de la mort. Liwa. Les serpents. Nyuka. Puissante nation à se dominer. Ekolo ya Mbuya. Maintenant, tant que nous sommes maintenant dans la réalité de l'Apocalypse. Maintenant, lorsque nous venons dans la réalité dans l'Apocalypse, d'abord, Kuna na l'ère Israël. D'abord, là-bas, du temps d'Israël, le roi de nation, Bazalaki Kosepela Kozala en alliance. Et désirait être en alliance avec le roi qui était comme les serpents de la terre. Oyaza comme la mort. Qui était comme la mort. Talatan Bazo présentait à Syrie Natanaï. Vraiment, quand on présente la Syrie en son temps. Na Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Verset 6. Le verset 6. Abazo le Bela à Syrie. Parle de la Syrie. Tous les
oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes de champ faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Donc, vision, dans cette vision, on dit ceci. Lorsque un animal veut faire ses petits, il sent que si je ne mets pas en dehors de l'ombre de cet arbre appelé la Syrie, il faut qu'il aille vite sous l'ombre du grand arbre qui est la Syrie. C'est là qu'il va mettre bas. C'est alors que l'enfant va vivre. Mais toutes les bêtes. Or, ma bête, ce sont des nations. Or, les bêtes de champ sont des nations de la terre. Maintenant, les nations de la terre, pour que les nations de la terre. Il faut qu'elles tiennent à Syrie pour moi, la noix soit vie. Il faut te rendre jusque sous l'ombre de la Syrie afin que ton enfant garde la vie. Et les colobaboyes. Qu'est-ce que cela représente? Moi, dans les années du programme, dans le pays. C'est petit là où la grossesse de l'animal, c'est comme les programmes d'un pays. Vous avez dit Sénégal. Tu es par exemple le Sénégal. Vous avez un programme, dans le conseil. Tu as un programme qui va à Washington là-bas. Qu'on puisse bien connaître. Tu vas bien mettre bas. Vous respectez là. Vous allez les respecter. C'est lui qui domine à ce temps-là et vous a imposé le président de 6 ans d'âge. Est-ce que vous comprenez? Donc, projet sur récit, ce que ça n'a c'est à ombrage, il y a nation où il y a un serpent. Le projet réussit si c'est sous l'ombrage de la nation qui est comme les serpents de ces temps-là. Alors, j'ai exemple à Syrie. Ici, nous avons pris seulement l'exemple. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces chapitres. Maintenant, maintenant, on avait montré ceci, bien-aimé. Tant toujours comme dans l'Apocalypse. Lorsque nous venons maintenant atterrir dans l'Apocalypse. On a les dragons d'Apocalypse 12. On a vu les dragons d'Apocalypse 12. Azan a 7 têtes. Les dragons a 7 têtes. Et Azan a 10 cornes. Et les dragons a 10 cornes. Dans verset 3. Au verset 3. Tu expliques qui en bon a kimianyon son abolimwanzambe. On l'avait expliqué dans le calme et dans l'amour du Seigneur. 7 têtes, wana ezotalisa 7 rois. Ces 7 têtes représentent les 7 rois. Donc, ma puissante. Nation. Le puissant nation aussi bacané de Zotambola. Saisissez comme la manière dont nous marchons. Ton PC qui est chrétien. On avait donné l'écriture. Dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17. Toujours qui 9. On pourrait même commencer nous à. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est ici le. Ezali Bangomba sa. Sur lequel la femme est assise. Nicolo Yawapi, moi si Afandi. Wana totalisaki ba colline oezali ko entouré la grande ville. Et là nous avions parlé des collines qui entourent la grande ville. Parce que ce qu'on a lu verset 18, hein? Parce qu'en lisant le verset 18, il y a Apocalypse 17. Apocalypse 17. Alors, et la femme que tu as vue, mais moi, sur c'est coup, la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. C'est le Vatican en Rome. Ezali Ecclesia Bamupenaloma. Et au temps du verset 10, le verset 10, ce sont aussi sept rois. Ezalipe bankumu sambo. Donc sept têtes. Les sept têtes. Ezal sept rois. Sont sept rois. Premier roi. Le premier roi. Égypte. Donc, royaume yatan Égypte. Donc c'est Égypte. Roi. Le premier roi. Deuxième roi. Le deuxième roi. Ezal Assyrie. C'est la Syrie.
Le troisième roi. Babylone. C'est Babylone. Quatrième roi. Médo-Perse. Cinquième roi. Grèce. Ou Gonzaba Eleni, grec. Amen. Et lorsque Jean reçoit le message, sixième roi d'Azo dominé. C'est le sixième roi qui dominait. L'Empire romain. Il y a un message, il y a ange Zoroba, cinq sont tombés. C'est pourquoi l'ange dit à Jean que Mitano, Bakondi, Mitano ici, Bakoyaki. Donc ces rois-là représentaient tout le royaume. Maintenant, tant que le diable est esprit, maintenant, lorsque le diable qui est esprit vient s'incarner dans une nation, et ça l'a représenté comme bête. Et cela est représenté comme la bête. Il y a un moment en Apocalypse 13. C'est pourquoi dans Apocalypse, verset 1er, au moment que la bête a kokanika kana dragon. Vous allez voir que la bête est seulement semblable au dragon. Dans verset 3 et Apocalypse 12, un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Dans la gona à mon coin, montagne à salir à mitou samopé ma 5e zone. Et awa wapé, et même ici, verset 1 et Apocalypse 13, amen. Puis j'ai vu monter de la mer. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Textuellement, tel que le dragon dans sa description. Et aussi bête sur la terre. Et tel que la bête est aussi sur la terre. Parce que le dragon, c'est le serpent. Parce que le dragon, c'est le serpent. La bête qui domine aussi la terre. Serpent. Et la bête qui domine la terre, la bête l'appelle, la Bible l'appelle aussi serpent. Nous faisons bien comprendre. Ah. Donc, tant que bazo mon aye azoniga kope sa gloire na serpent. On le voit donner la gloire au serpent. Le dragon. Mais qu'est-ce que tout aussi va avoir? Maintenant, qu'est-ce que nous saisissons ici? Dans chapitre 12. Au chapitre 12. Dans verset 3e. Au verset 3. Ma tête est en bas diadème. Les têtes ont des couronnes, des diadèmes. Et l'ingolobane. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma tête, toi, c'était des puissantes nations. Ça dominait. On te montre seulement que ces têtes-là sont des puissantes nations qui dominaient. Est-ce que vous me saisissez bien? Oui, ils ont dominé, ils ont comme roi. Donc, ce qui domine est comparable au roi. Ils ont dominé, ils ont écolo. Qui domine, qui règne, qui a une tête, ils ont un diadème. C'est pourquoi vous allez voir leur tête en de diadème. Maintenant, dans les royaux, dragon, la femme enceinte, les 10 cornes n'ont pas de couronne ou de diadème. Et pourquoi Apocalypse dit ces 10 cornes sont 10 rois? Mais ce qui sont mis à Bankoumouzo. Qui n'ont même pas continué. Mais qui reçoivent autorité comme roi. Mais Cassio Basali n'a pas besoin de la Bakondi. Pendant une heure avec la bête. Pour recevoir l'autorité. Donc, recevoir l'autorité. Des diadèmes. Donc c'est ça, les diadèmes ou les couronnes sur les 10 cornes. Apposons-moi ensemble avec la bête. Les 10 cornes recevront l'autorité ensemble avec la bête. Tant que la bête a pour réapparaître. Lorsque la bête réapparaît. Parce que place aux bêtes à Apocalypse 13, verset 1. Nicolas Maï. Parce que dans Apocalypse 13, le verset 1, où se trouve la bête sur la mer. Dans Apocalypse 17, femme d'Acromion. Dans Apocalypse 17, c'est la femme qui s'y retrouve. Parce que la bête est qui blessée. Parce que la bête était blessée à mort. Elle a une blessure mortelle. Elle avait reçu une blessure mortelle. Tu expliques qu'il disait bête était comme un royaume.
Or, tête, ma benya mo roi mobimba na police 17. Or, dans Apocalypse 17, yango blessure. C'est ça la blessure mortelle de la tête. Na église de réveil, ma benga blessure, yango isatan ma beta ki pape Jean-Paul, ce qui pape Jean-Paul Massas. Dans l'église de réveil, la blessure là de l'une des têtes de la bête, c'est lorsqu'on avait tiré sur le pape. Wana c'est ça, aventure. Massano. Si tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas non plus le dire. Le Seigneur va te garder. C'est comme ça dit Asala. C'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Alors on a une place où on met à Zaria. Vous voyez la place où se retrouve la bête. Kuna c'est la femme d'Azor remplacée à Nicolamaï. Là-bas c'est la femme qui remplace sur au-dessus. Donc la bête qui était n'est plus. Nyamayauli oya salaka salisusute. Donc ezalai kotali salolenge pouvoir romain esegela qui est panzana. Cela montrait comment l'empire romain devrait se disloquer. Et dans le panzana. Lorsque cet empire s'est disloqué, c'est la femme qui monte de sur la mer, sur les eaux. Les amours si dumbané, azali kozwe sika na elikola mai. Église catholique romaine. Église aba mupe na loma. C'est ce qui remplace. Yangonde zoza esika. Yangonde zobomba autorité nyos. Et c'est cette femme qui renferme toute l'autorité de la bête. Mais il faut y babouiller. Mais tu dois savoir ceci. Balobi, la bête et les dix cornes haïront la prostituée. Balobi et Nyama Yao, l'ipé ma sekezomi, bako inaka, moi si ndumba. Et Zalaganini. Comment que cela se passe? Tant qu'on est dit Égypte a le pouvoir. Vous voyez, du temps où l'Égypte a le pouvoir de la terre. C'est toujours le serpent. Et Zakaka Nyoka. Oya Koyabe après. C'est lui qui vient à Syrie. La Syrie. C'est un serpent aussi. Azape Kaka Nyoka. Mais Assyrie a koyé na Égypte. Mais la Syrie va haïr l'Égypte. Père a koyé c'est l'Égypte après à ce pouvoir. Et va renverser l'Égypte afin que lui puisse remplacer dans la domination de la terre. Tamoupe Assyrie a zongoué. Et lorsque la Syrie aussi est renversée. Celui qui viendra le dépouiller, c'est celui qui va le succéder. Mais toujours c'est le même serpent. Donc Ezanet qui vous êtes dans la famille. Par exemple, vous êtes dans la famille. Vous ne savez pas, il y a des membres de la famille qui ne s'entendent jamais, alors qu'ils sont des grands sorciers. Ils sont là seulement pour vous indisposer. Mais donc, bandouki. Ces choses-là existent. Lorsque Babylone est là, lorsque Babylone est humilié, c'est lui qui brûle Babylone. Médo-Perse. C'est l'empire Médo-Perse. En Daniel 5, en lisant Daniel 5, le roi Belshazzar, il était en train de plaisanter, de faire la fête avec les ustensiles de Dieu. Là, c'est un serpent. Azala Kiyoka. Mais l'écriture est connue. Mais il y avait l'écriture de Dieu sur la muraille. Mais n'était qu'elle passait. Compter, peser, divisé. Daniel a pour expliquer. Et Daniel vient expliquer. Dieu t'a baisé et puis a trouvé aux attraits légers. Zambé a Dieu ne me que l'abosito naie a moni au pepele. Et le Seigneur a divisé donc ton royaume et vous allez diviser et couper sa main à Médo et Perse. Pour continuer et couper moi na ba couper sa main na ma boko ya ba Médo na ba Perse. Pour juger Babylone. Donc, le jugement de Babylone. Montasa Yako. C'est lui qui l'a fait. Et ça roi où ils ont remplacé la terre entière. C'est le roi qui remplace sur la terre. A dépouillé Babylone. C'est lui qui dépouille Babylone de sa. Maintenant il a remplacé. Maintenant lui remplace Babylone. Donc à brûler Babylone. Donc, il brûle. Parce que pour brûler, c'est le jugement. Parce que brûler, c'est le jugement. À déshabiller. Donc il est dépouillé.
l'humilité, na le pouvoir, na donc il dépouille de sa dignité. Mais lui remplace. Et lorsque Ménopers arrive à la fin de son règne pour tomber, Grèce a voyé que l'ongolé bilamba. Et Grèce aussi viendra le dépouiller. Grèce a voyé que si qui et Grèce aussi viendra le brûler. Grèce a besoin de colons. Et Grèce prendra la tête. C'est actuellement ici. C'est actuellement ici avec la bête qui était n'est plus. Niamou ya salaka azali. La femme a se présenté. La femme s'est présentée. Maintenant cette bête a pour réapparaître. C'est cette bête réapparaîtra. Balobi, Aza 8e maza du nombre de 7. Azali kumu ya mwambe mazali na katikata ba kondi sambo. Azali na katia 7. Donc il faut remarquer ces rois dans les 7 têtes. Mais Azali susuté. Donc elle n'était plus. A pour réapparaître. Mais elle réapparaît. Maintenant Azosa la réapparaître. Mais en réapparaîtra. A beaucoup la femme sur les eaux. Elle va rencontrer la femme sur les eaux. Il faut dépouiller la femme. Il faut qu'il puisse dépouiller la femme. Est-ce que vous comprenez dans le monde azur? Nazur ma on a balancé mon cas simple. Je parle de cela en des termes très simples. Donc ce qu'il faut comprendre, ce que tu devras comprendre, que puissante nation Oesa comme Rome. La puissante nation qui est comme l'Empire romain. Dieu dans le programme. Zambé na mabongisi. Atia moneti yasuka. Le Seigneur a établi ce royaume comme le dernier royaume de la terre. Je reçois Daniel 7. En lisant Daniel chapitre 7. C'est cette puissante nation là qui a besoin pouvoir. Ezali et Koloane en Guyane Kozampi photo Guyama. Pendant 42 mois. Na batambo 42. Yangozo remarqué dans Daniel 7. Daniel chapitre 7. Bazole mais la quatrième bête. On parle de cette quatrième bête. Oesa Rome. Qui est Rome. Daniel 7. Nazui na verset 21. Je prends le verset 21. Daniel 7. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vis cette corne faire la guerre au sein. Namona ki liseki wana kobundisa basanto. Et l'emporter sur eux. Pe kolonga basanto. La corne que vous présentez à vous. La corne qu'on nous présente ici. Yewana la bête. Potambo la ka malembe malembe de manazo na zuna kabina ba texte. Oui, pour faciliter la compréhension. On va marcher petit à petit. J'aimerais vous prendre des textes qui faciliteront la compréhension. Nazu verset 25. Je prends le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Akoloba maloba yamabe likolo yanzambe na mako. Il opprimera les saints du Très-Haut. Akonyo kolaba santo yanzambe. Voilà verset 25 ya Daniel 7. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant un temps, Nangonga moko, des temps, Bangonga, et la moitié des temps. Donc, les saints sont livrés na maboko ya bête oyo pendant 3 ans et demi. Donc les saints seront livrés entre les mains de la bête pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mais après, wana, les reines, il y a des saints et koya sur la terre. Mais après cela viendra les règnes de saints sur cette terre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous saisissez? Le lega qu'on persécute les saints. La manière dont il va persécuter les saints. C'est ça le pouvoir à lui. C'est ça le pouvoir qui lui fut donné. Azui pouvoir il a reçu ce mais à travailler en alliance dans ce jour de mort. Mais il va travailler en alliance avec le séjour de mort. Séjour de mort, ce sont les 10 rois. Et les séjours de mort n'est pas condizo. Oyo bazolanda la mort. Qui suivent la mort dans son entreprise. Est-ce que vous aurez un mal? Amen. Maintenant, par le pouvoir leur fut donné la carte.
de la terre. Nguya epesa meli bango likolo ya ndambo moko na yabite ni mine ya mabele. Donc cela veut dire trois quarts que ça na simana e. C'est-à-dire trois quarts de la terre les suivra. Trois quarts de quoi? Doré et bien. Donc trois quarts de la terre adorera la terre. Maintenant, un quart, kaka. Seulement un quart. Il faut abonner un quart. Il faut abonner un quart, wana. Famine. On doit tuer ce un quart là par la famine. On a compris la famine. Pour comprendre la famine. Et vous allez dégainé. Comment est-ce que cela sera? Ce qui vous aboye marque la bête. Si quelqu'un refuse la marque de la bête, il n'achètera pas. C'est qu'il y a vous allez la famine. C'est-à-dire il sera dans la famine. Est-ce que vous allez la Est-ce que vous suivez attentivement? Par la mortalité. Ceux qui veulent m'aborder pour adorer, si quelqu'un refuse l'adoration, on va les tuer. La étape nous sommes dans le banan quatrième saut. Toutes les étapes du quatrième saut, ils arrivent dans Apocalypse 13. Se retrouvent aussi dans Apocalypse 13. Que Dieu bénisse. Amen. Tout autant pour l'aborder pour nous comprendre. Nous marchons ainsi pour comprendre que car de la terre, c'est car de la terre. Esaïe 144 000. C'est le 144 000. Oye, Kobo, il y a alliance avec des nations. Qui va refuser l'alliance avec des nations. Nous sommes dans 144 000 dans Apocalypse 14. Nous voyons les 144 000 dans Apocalypse 14. Dans le verset 1er. Au verset 1er. Pendant aucun verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le nom du père est toujours la parole. Le Seigneur avait dit dans Jean 17. Le Seigneur avait dit dans Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom. Maintenant cherche le nom du Père pendant tout le temps du ministère de Jésus-Christ. Voilà, du Père, je leur ai fait connaître ton nom. Tata Natalisi Bango Kombo Nayo. Or, Daniel, Jésus a présenté la parole. Or, pendant tout ce temps, Jésus n'a fait que présenter la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, dans verset 4. Il y a Apocalypse 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce sont des nations. Ces femmes ici sont les nations de la terre. On se suit avec des femmes et on va kokota en alliance à bête. Donc, se suit avec les femmes comme ici sont les nations, c'est entrer dans les alliances. Vous avez un malin? Amen. Parce que Salomon avait dit parmi les femmes, il a trouvé aucune. Et parmi les hommes, il a trouvé mon corps. J'ai trouvé un homme. Donc, Azakota Lissaboy. Qu'est-ce que Salomon montrait ceci? La responsabilité va passer à l'homme. La responsabilité, on la confie à l'homme. C'est comme nous embêtant dans le jardin d'Eden. C'est comme Dieu en venant dans le jardin. Il n'était pas venu chercher la femme Ève. Adam, où es-tu? Adam, aux Aliwapi. Alomite, où êtes-vous? Aux Aliwapi. Alomite, vous avez mangé les fruits dont la pégis à Kabino. Est-ce que tu as mangé? C'est pourquoi tu vas remarquer. Lorsque la femme avait mangé, leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. L'ordonnance n'était pas donnée à la femme. Mais tant que mon bal allait, mais quand l'homme a mangé, c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et le péché fut imputé. C'est comme ça la Bible. Est-ce que tu y as Yomoko Oli?
y a un sens de responsabilité. C'est pourquoi le sens de responsabilité. Quand David a donné ça, Salomon responsabilité. Lorsque David voulait confier la charge à Salomon, dans 1 roi 2, verset 1 à 2, au verset 1 à 2, alors dit que mon fils soit l'homme. Moi, nanga Salomon, nazala mobali. Donc, ma pèse la responsabilité à l'homme. On confie la responsabilité à l'homme. Maintenant, c'est toute la terre. Si n'a pas bêlé mon bimban. Ça va pèse qui est responsabilité à parole wapi. Où est-ce que Dieu avait donné la responsabilité de la parole? À Israël. Na Israël. Adam, Israël, ce sont des hommes. Cela veut dire le peuple d'Israël, c'était un peuple des hommes. Maintenant, les restes des nations, c'est comme des femmes. Ils en étaient basi. Yango Salomon le dit parmi les femmes. C'est pourquoi Salomon le met dans katikati basi. Amoni sauverte. Namoni adamo biki cité. Regosa le matin que sauvera bi manankamba. Il ne peut pas se faire qu'un sauveur sort de là-bas de Kamba. Ou bien bi manarabie saoudite. Ou sortir là-bas de Dubaï. C'est parmi les femmes. Dans basi. Mais parmi les hommes, un homme va apparaître. Il y aura un homme qui apparaîtra. La tribu de Juda. Jésus a dit à la femme samaritaine. Jésus a dit à la femme. Femme, moi si. Les salariés de Juda. L'obique où tu n'es na Juda Jésus a dit Jésus connaissait enseigner. Parce que hier mon bon été. Parce que c'est lui-même la prédication que nous prêchons. Les salariés. L'obico. Et vous dites pas ma congolais, ne provient pas des congolais, et pas ma américain, vous dites des ougandais, non, et vous dites à ma juif, provient des juifs, parce que, ça va être Abraham, le Seigneur avait dit Abraham, à choisir Abraham, il a choisi Abraham, afin qu'il a ordonné la postérité d'Abraham, puis sa mitine on a quitté l'inaïe, à garder la voie après, Baba. Nzela ya nzabe simaye kukufa car an Abraham pointe na kati ya balama de ekoza la deni de ya mwe kupambo la toutes les nations ma mabota nyoso ma bene. C'est pourquoi Jésus est le fils d'Abraham. C'est pourquoi Jésus est le fils d'Abraham. Parce qu'en Abraham, parce qu'en Abraham les bénédictions sont sillonnées partout. C'est alors que la bénédiction va sillonner toute la terre. Isolez-le, nous a bénis. Nous aujourd'hui nous sommes bénis. Yami, moi, Abraham. Parce que nous avons reçu le fils d'Abraham. Oui. Oui, bien aimé. Et Dieu bénisse. Sambe à pas mon abino. Neyango komona. C'est pourquoi tu vas remarquer. Bah 144 000 bah s'essuyaient avec des femmes. Les 144 000 ne se sont pas suyés avec les femmes. Dans sa pensée. Cela que le Seigneur connaît dans sa présence, il est Zambé Kuna Nangombasi. Dans Hébreux 12. Et dans Hébreux chapitre 12. Nous sommes approchés sur une montagne. J'avais posé une question à une témoin de Jéhovah. Est-ce que ce nombre-là est déjà. Déjà c'est combien d'Afrique? En Afrique déjà c'est combien? En Afrique déjà c'est deux. En Afrique déjà c'est deux. C'est des tribus. Ils oui. Ont compris. Ah toi tu ne comprends pas, tu as trop de questions. Amen. Donc c'est que Moutazoko, là on parle d'Israël. Ici on parle d'Israël. Il y a une Faut dire, le soleil, la manière dont le soleil s'élève à l'orient et se couche à l'occident. Et le lendemain, le soleil reprendra la même course à l'orient. Et de la même manière, le Seigneur retournera à Israël. En ce temps ici, nous sommes la nuit. Mais le matin, il visitera Israël. Israël a zaneti, au moni maïo et tigalara nase. Vous voyez Israël comme les eaux qui étaient restées en bas dans la création. Parce que maïoana, parce que ces eaux-là de la création représentent Abraham lui-même. Et teneke nikolo. Une partie de ces eaux-là était montée. Et talisaka Sarah. Cela représente Sarah. Na Isaac. Et son fils Isaac. Les eaux qui étaient restées en bas. C'est Agar. Si vous venez au quatrième jour, Zamba s'occupait de Misala Nikolo. Le Seigneur s'occupait des œuvres à créer.
les œuvres là-bas aussi. A sali le soleil. Il a créé le soleil. La lune et les étoiles. La lune et les étoiles. Il est allé se reposer. Et sabbat. Il faut dire aux gens, ce qui te le dit, si nous disons, soleil et koya, le soleil reviendra. C'est la béni koya à soleil. C'est-à-dire le retour du soleil. La cinquième. C'est le cinquième jour. Oui, parce que ça a été le quatrième jour. C'est parce qu'il a créé, il a été créé le quatrième jour. Il va encore parcourir l'espace. Cinquième jour. Le cinquième jour. Tout ce que nous avons là, nous nous faisons bien pour nous. Nous sommes assis. Nous, nous sommes la femme. C'est que nous la lune. C'est-à-dire, nous sommes la lune. Tous ceux qui ont traversé la nuit, nous traversons la nuit. Pour annoncer que bientôt. Pour annoncer que le soleil revient bientôt. Mais d'abord, le cinquième jour. Mais lorsqu'il vient le cinquième jour, oiseau, il viendra créer les oiseaux pour voler vers l'étendue du ciel. C'est notre enlèvement. Et les aligner comme un centre. Après, il va s'occuper de la maille. Après, il va s'occuper à créer dans les eaux d'en bas. Jusque-là, jusque-là, il ne s'est pas encore occupé à ça. Il va s'occuper à ça. Lorsque le soleil va parcourir pour la deuxième fois, le cinquième jour. Ma jour, la création. Donc, finions sur la prophétie à la Bible. Donc, toute la vie de la prophétie de la Bible. C'est dans le jour de la création. C'est comme le noyau de la mangue. Ce qui va être monsieur Missy, c'est comme il m'a dit, manga. Si on te dit les racines du manguier, c'est dans ces noyaux-là. Est-ce que tu vas le refuser? Les grands arbres-là est dans ces noyaux-là de la mangue. Le feu qui apparaîtra dans toutes les années. C'est dans ces noyaux-là que tu veux s'aimer. Et les fruits de chaque année se retrouvent dans ces noyaux. Donc toutes ces choses se retrouvent dans les jours de la création. Nous faisons bien comprendre. Donc c'est que. C'est-à-dire. Il faut croire que. Il faut comprendre. Israël. Le Seigneur retournera en Israël, à Israël. Pour visiter Israël. Le Seigneur va visiter encore. Pour nous lancer 144 000 et comment Bissoba nation. Ne prends pas 144 000, nous les nations, comme les témoins de faux esprits. Ce sont des juifs. Si les 144 000 sont des juifs. Bah, on va vous garder parole. Ceux qui vont garder la parole. Après la mort à besoin. Nassima Koufaban. La bête doit recevoir pouvoir. La bête qui recevra l'autorité. Dans ces jours de mort, les amis, les 10 rois. Et les séjours de mort qui est représenté par les 10 rois. Bah, pour persécuter, ils vont persécuter les 144 000. Bah, moi, on en est pas à compter dans le quart de la terre. Et ce sont eux-là qui sont comme les quarts de la terre. Le reste de la postérité. Et le reste de la postérité de la femme. Reste de la postérité, ils ont aussi ma santé ou ma gotika. Les restes de la postérité sont aussi les saints qui vont rater l'enlèvement. Ils sont aussi comptés dans les quarts de la terre. La bête qui est la mort. La bête qui est la mort. Et le séjour de mort qui est le tiroir. Et le séjour de mort qui est le tiroir. Bako, boma, bango. Vont tuer ces quarts de la terre. Parce que bango, boma, bango par la famine. Par la peste, par des bêtes sauvages de la terre. Donc, ils vont les tuer par la famine, Banzala, Liwa, Pekoutine, de la Bango, Banyama, Kanzabali, Bango. Mais le col Apocalypse 15 est le dit. Mais comme Apocalypse 15 dit. Pour toi, il y a clôturer aujourd'hui. Pour aller clôturer pour la séance d'aujourd'hui. Verset 2. Tine, verset 4. Le verset 2 jusqu'au verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Et je vis comme une mer de verre. Mêlée de feu. Mer de verre. Ezalaka. Esika oyoyo. Cuve d'abord. Na elemboyale la Salomon. Dans le temps de Salomon, en signe, c'était la cuve pour se purifier. Qui était là pour se sanctifier. Mais awawa et sangani na moto. Maintenant, ici, cette mer de verre est mêlée de feu. Et ça,
mère par rapport à l'alliance. Donc c'est la mère par rapport à l'alliance. Parce que cuve faisant ici comme mon corps. Parce que la cuve ce n'est qu'un lieu. Nous sommes dans la moi. Amen. Mère les amis, au réseau tambour. La mère c'est ce qui est en mouvement. Nous sommes dans la moi. Amen. Par rapport à temps. Par rapport à ces temps. Au écriture réseau loba. L'écriture. J'entends l'isaké. En passant par le feu. Donc les gens seront sauvés en passant par le feu, les souffrances. Ah, la souffrance. Donc, les souffrances. Il y a moi ces symboles. C'est ça les symboles du feu. Amen. Ah, c'est trois compagnons de Daniel. C'est comme les trois amis du prophète Daniel. Obikanabamo, c'est quelqu'un qui va passer par le feu. Leur salut c'était au travers du feu de la. Et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu, dont Babimi Balongi, qui sont sortis de vainqueurs. Bango anande na Apocalypse 13 verset 7 babomi bango na la bête. Ce sont ceux-là qui sont tués dans Apocalypse 13 le verset 7 par la bête. Nathanie en mon nom de Jésus-Christ. Et il lui fit donner de faire la guerre au saint. Pepe sa melinya mayauli abundi sa basanto. Et de les vaincre. Pe alunga basanto. Basanto yo. Donc c'est ça ici. Ce sont les frères de l'église des saints qui vont rentrer l'enlèvement. Et comme ami, dans Apocalypse 12, reste de la postérité. Et puis, dans la femme, et dans la femme, Oyazali comme Israël, les 144 000 Bakoleka aussi, na persécution dans la grande tribulation. Qui est comme Israël qui vont passer aussi dans cette persécution de la grande tribulation. C'est d'eux ici qu'on parle que la bête va tuer. Voilà l'épouse, la femme arrivée à la perfection en étoiement déjà. Et là, l'épouse, l'église parvenue à la perfection était déjà enlevée. Donc nous comprenons bien la Bible telle qu'elle est. C'est pourquoi je continue la lecture. Verset 2 d'Apocalypse 15. Verset 2 d'Apocalypse 15. Donc Adam a promis bango na nzoto mais bango ba longi. Même si la bête les tuait dans la chair, mais eux aussi ont vaincu la bête en restant ferme. Yango baza debout. C'est pourquoi ils sont debout. Donc baza ba vainqueur. Balongi. Bible le dit, et je vis des vers mêlés de feu. Na mona ki lokole tando maya tala tala et sa ki sa mina moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Et son image. Lilinginae. Et le nombre de son nom. Debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu, qui sont d'Apocalypse 7 à partir du verset 9. Otaniamo, à partir du verset 9, Apocalypse 7, verset 9, dit même le verset 14. Bangoan, Saoba, Balongi. Donc reste la postérité à femme. Le reste de la postérité de la femme. Il chantait les cantiques de Moïse. Le serviteur de Dieu. Et les cantiques de l'agneau en disant. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables. Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur? Et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Parce que tes jugements ont été manifesté. Voilà après Armageddon.
après la bataille d'Armageddon. Et que le Seigneur a ressuscité Bango en Apocalypse 24. Et que le Seigneur les ressuscite dans Apocalypse 24. Bazoya ko louer aussi le Seigneur. Ils viennent aussi louer le Seigneur. Mais l'épouse aussi. Kasi moi super. Oya neto magi na bokutani na bowali. Qui était enlevé pour à la rencontre de l'époux. A ko descendre aussi pour na yana millénium. Descendra aussi du ciel pour participer au millénium. Donc total ici très bien. On a très bien montré la grande tribulation. L'olenge, la bête qui est la mort. Comment est-ce que la bête qui est la mort? Et le séjour des morts. Les 10 rois qui vont régner dans ce temps-là. Les 10 rois qui régneront en ce temps-là avec la bête. Donc après 3 ans et demi à Liboso. Après la première moitié de 3 ans et demi. Deuxième 3 ans et demi. Et la deuxième moitié de 3 ans et demi. Là, il vous aura temps à la grande tribulation. Et là, ce sera le temps de la grande tribulation. Voilà l'église, oui, comme une perfection que vous avez testé. Et là, l'église parvenue à la perfection ne sera plus sur la terre. Mais reste, il y a ma rôle, ma cotique, à la ma compassée, la grande tribulation. Mais le reste de l'église qui aura raté l'enlèvement va participer à cette grande tribulation. Ma compassée, des temps très durs. Ma coulée. On va les tuer. Mais ma c'est quoi avant millénium? Mais ils vont ressusciter avant le millénium. La mort, on les a présentés aussi Nathan. La mort, comme elle est aussi présentée en ces temps, c'est l'assemblée Yabako et la sagesse des dieux. C'est la femme prostituée aussi. Maintenant, les séjours des morts. Ce sont aussi des fausses églises. Les alibes églises à ma paix, taille à ma belle. Baza en alliance. Ils sont en alliance avec cette femme. Au moment le 25 décembre. Vous allez les voir le 25 décembre. Bah, vous allez vraiment bien identifier. Ils seront bien identifiés. Bah, vous allez Noël, Noël. Noël, naissance de Dieu. Parce que le séjour des morts suivent la mort. Parce que le séjour des morts accompagne la mort dans ses œuvres. Noël. Vous allez les voir tous en train de crier Noël, Noël. Jésus est 33 ans dans ma belle dans l'autre. Jésus lui-même a fait 33 ans sur la terre dans cette chaîne. A dit qu'à son anniversaire. Il n'a jamais fêté son anniversaire, Noël. Il est beaucoup. Lui-même. D'ailleurs, dans la Bible. D'ailleurs, dans la Bible. Aucun juif a son anniversaire. Aucun juif n'a fêté son anniversaire. Verset on est à la gâte. Il n'y a pas ce verset. Moutassara anniversaire dans les tigres. C'est lui qui a fait l'anniversaire dans les tigres. C'est Zaga Pharaon. C'est Pharaon, roi d'Égypte. Na Hérode. Et le roi Hérode de Bibatugarawana. Ces deux personnes-là. La Bible, mon Bible. Dans toute la Bible. Voilà la Bible, mon Bible. Là, dans la Bible, frère. Ces deux personnes-là, Pharaon, Pharaon roi d'Égypte, na Hérode, et Hérode le païen. Vous allez voir dans les églises des hommes. On chante pour les pasteurs. Joyeux. Est-ce que Bakumi Sakolo, à la place de louer le Seigneur? D'ailleurs, il faut savoir. La grande naissance, c'est lorsque tu es baptisé. Naissance, l'autre naissance de la chair. Le Seigneur s'en est repenti. Dans Genèse. Alors, je regrette d'avoir créé l'homme. Je me répands d'avoir créé l'homme. Naissance la première naissance, le Seigneur l'avait, s'en était repenti. C'est pourquoi Jésus en venant dans Jean 3, il a dit, attends Nicodème à Koumisaki. Même si Nicodème l'avait loué, il a dit Nicodème. Le royaume de Dieu, il faut naître encore. Naissance sur le texte. Pas cette naissance de la chair. Tu dois naître encore, Nicodème. Là, ce sont des écritures. Nous sommes faibles devant les écritures. Nous nous prosternons devant les écritures. Nous adorons l'écriture. La parole. L'Igloba. Merci. Amen.
Il ne faut pas comprendre. D'où proviennent les bougies? Mais ça a la facilité de consulter quand même. Il faut avoir la facilité de consulter aussi. Google. Regarde dans l'internet. Comment est-ce que ces choses ont commencé? Bâtir les gâteaux. Ignorance. Boinga. Tala et bandan denge nini makambo. Comment est-ce que ces choses ont posé en internet? Tu as l'internet avec toi. Tu peux vérifier. Okokyo talo luka. Anniversaire on est bandaga denge nini makambo. Comment est-ce que les fêtes d'anniversaire ont commencé? Après ce qu'on t'a dit. Après en regardant. Imiter maintenant. Maintenant tu imites. Moi nous avons la conscience que les gens bouillent bouillent. Là tu as la conscience que c'est comme ça, comme ça et comme ça. Bonjour madame. Amen. C'est simple. Oyez, ma bougie, c'est toute une adoration. Sache que les histoires là de la célébration avec des bougies, c'est toute une adoration de Satan. Les gâteaux là, c'est toi-même. Oui, qu'est-ce que nous avons? On y suit, on y kati, yolianga. Merci. Oui, tu t'es sacrifié toi-même. Amen. Tu t'es sacrifié. Amen. Concernant la vie, nous à la légèreté. Il ne faut pas prendre des choses à la légèreté. Concernant la vie, nous avons la légèreté. Il ne faut pas prendre les choses avec légèreté. Que Dieu a pambo la yomingi. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te garde et te fasse du bien. Abatte la yombe, fongole la yombe, la kitoko. Te garde et t'ouvre de bons chemins. Mais ton boy te rendre grâce à Dieu pour mon mot tama. Mais nous ne réfléchissons pas que tu rends grâce à Dieu. Oui, aux hommes qui s'action de grâce. Aux hommes qui s'amatondi. Pour reconnaître que Zamba savait qu'il n'y a qu'à. Reconnaître que Dieu avait fait. Ma pratique, Yohana. Parlons de ces pratiques-là païennes. Ah. Pour être reconnaissant que le Seigneur a savait qu'il n'y a. Il faut être reconnaissant que le Seigneur avait fait que bien au monde. Que Dieu te bénisse. Ah. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Ah. Que le Seigneur te fasse du bien. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la grâce que tu as montrée. C'est toi qui es le Dieu de paix. Tu es tellement grand le Dieu vivant. En dehors de toi, il n'y a point de notre vie. Sois la réponse à tous nos problèmes. Nous sommes venus au nom de Jésus.